Bonjour à toutes et à tous, l'ami Utile vous propose aujourd'hui de découvrir le logiciel Write. Alors Write, c'est comme son nom l'indique un éditeur de texte qui va nous permettre d'écrire du contenu, que ce soit des notes ou un livre, d'une manière simple avec une interface très épurée. Donc ses concurrents peuvent être Word de Microsoft ou même tout simplement le bloc-notes que vous avez sur votre ordinateur. Ce que je vous propose, c'est qu'on passe directement au logiciel, donc le logiciel que j'ai déjà préinstallé. Le logiciel disponible actuellement sur Windows et qu'il sera très prochainement sur Linux et Mac. Alors, on lance le logiciel et on se retrouve dans cette très belle interface, je trouve, et très simple de Write. Alors, donc, ce que nous avons sur la gauche est donc le menu pour l'accès au cloud. Alors, il faut savoir que ce logiciel, c'est pas seulement un simple éditeur de texte, mais il permet également de sauvegarder tout votre contenu directement dans le cloud, donc sur un serveur, donc à l'extérieur de votre ordinateur. Pour cela, il vous faut donc un compte pro. Alors, si on repasse sur le site internet, vous avez vu donc que l'on a une version Write normale qui va être donc une version gratuite et Write Pro qui va être une version professionnelle payante. Alors, la version professionnelle payante est en fait un abonnement de 5 dollars par mois. Alors, en fait, elle n'y est pas encore. Elle va commencer à partir du 5 novembre. Et donc, c'est aussi pour ça que je vous présente ça maintenant. C'est puisque si vous souhaitez donc utiliser cet outil avec la version professionnelle, eh bien, elle est gratuite hein, si vous rejoignez maintenant. Donc, vous avez tout simplement à cliquer sur Join. Ensuite, vous avez le logiciel qui se lance pour le télécharger. Et pour créer le compte, c'est très simple. On rentre son adresse email, son mot de passe deux fois et on crée son compte. Alors, si on repasse sur le logiciel, donc ce qu'on peut faire, ce qu'on va faire d'ailleurs, c'est qu'on va ensuite se connecter. Alors, comme vous pouvez le voir, l'interface est très sympa, très soignée. On peut remarquer que ça a été fait par des designers du web, et donc il nous offre une interface épurée et soignée. Alors, dans cette première page, donc là, on est en fait dans un document déjà. On nous propose déjà, on nous explique un petit peu ce qui est possible de faire et quelles sont les fonctionnalités du logiciel. Alors, on va pouvoir comme ça ramener le logiciel devant d'autres applications lorsque l'on va avoir d'autres applications ouvertes. Donc, le bouton F11 qui nous permet habituellement de passer en plein écran va nous permettre donc de passer en mode note, de passer en mode plein écran et de passer en size médium. Et donc voilà, on va comme ça pouvoir passer à différentes modes rapidement. Ensuite, nous allons avoir la Shift Space qui nous envoie directement à l'accès en fait de l'autocomplétion, donc qui va nous permettre, c'est une aide à l'écriture en fait. Donc, on va le voir un petit peu plus tard. On va également avoir donc F7 qui nous permet d'aller directement voir les erreurs qu'il peut y avoir. Et donc, comme vous pouvez le voir, on peut avoir aussi une aide, que ce soit en anglais ou en français. On va découvrir un peu tout ça. On peut également utiliser Alt pour pouvoir bouger la fenêtre très rapidement si on veut la recaler sur la droite ou à gauche, etc. On va également pouvoir utiliser le contrôle pour descendre. Donc si on a beaucoup de texte et qu'on ne veut pas que ce soit quelque chose qui soit un petit peu saccadé, on prend tout simplement le contrôle, on appuie sur contrôle, pardon, et avec la souris, on va comme ça pouvoir faire défiler le texte de manière plus agréable. Voilà, et puis ensuite on va avoir donc le F4 pour cacher le cloud panel que nous avons sur la gauche et l'afficher. Et ensuite on va avoir le F8, alors qu'il n'est pas disponible ici puisque c'est avec la version pro. Et donc c'est pour cela que nous allons directement nous connecter. Alors on se connecte à notre compte, donc le compte qui est créé vraiment en 5 secondes. Voilà. Vous pouvez voir également qu'on a la possibilité de travailler en mode hors ligne, ce qui nous permet toujours d'avoir les fonctionnalités pro, mais en mode hors ligne. Alors, je vais me connecter en mode hors ligne. Et donc, ça nous ferme la fenêtre et ça nous la ramène. Et donc là, vous voyez, on se retrouve avec un document vierge. Alors, si on veut voir un petit peu comment ça se passe du côté du cloud, on a vu que la touche F4 nous permettait d'ouvrir donc la cloud panel.
nous permet donc de montrer les documents qu'on a sur le cloud. Donc le cloud, comme je le disais, c'est un serveur qui est donc qui est donc pas sur votre ordinateur, c'est-à-dire que tous les fichiers vont être enregistrés ailleurs. Ce qui vous permettra plus tard de récupérer ces fichiers, peu importe où vous soyez, peu importe l'ordinateur sur lequel vous êtes. Alors l'interface, comme on l'a vu, c'est une interface très épurée, on peut recacher le Cloud Panel. Et donc on va avoir comme ça ce fonctionnement avec des onglets. Alors si on crée donc un premier document qu'on écrit, hop là. Alors voilà, donc comme vous avez pu voir, il y a eu un léger bug, donc j'ai dû fermer le logiciel et le relancer. Donc on se retrouve tout de suite sur la même interface dans tous les cas. Comme vous pouvez le voir, donc on a donc ce deuxième onglet qui s'est ouvert, on peut en créer d'autres. Donc ces onglets sont en fait des documents, hein. Donc voilà, donc, que l'on peut également renommer avec CTRL R. Donc on peut appeler voilà, le premier document, le deuxième, etc. On va également avoir un système de session qui est plutôt intéressant, qui va vous permettre peut-être de séparer un peu votre travail. Donc si vous allez tout en haut à droite du logiciel, on va avoir comme ça cet onglet qui s'appelle session. On va pouvoir renommer la session. Donc par exemple, je vais pouvoir l'appeler démo comme je fais une présentation du logiciel. Mais je vais également pouvoir créer de nouvelles sessions pour pourquoi pas y mettre mon travail perso. Voilà. Et comme ça, nous allons pouvoir jongler entre les sessions et pouvoir récupérer les documents sur lesquels nous étions en train de travailler. Alors, ce que je vous propose, eh bien, c'est qu'on commence à taper. Alors, ce que l'on peut faire, c'est qu'on va pouvoir écrire un... On va pouvoir commencer par écrire un premier titre. Et alors, c'est là qu'on va voir que les fonctionnalités sont plutôt intéressantes, parce qu'on se dit, voilà, donc on a un premier titre, mais on n'a aucun moyen de styliser le texte. Alors, on va avoir des raccourcis pour cela. Donc, si on fait CTRL barre d'espace, on se retrouve directement sur... ces informations-là. Et si on appuie sur la barre d'espace, on va pouvoir comme ça jongler entre les différents onglets. Donc on peut comme ça aller très rapidement dans les différentes fonctionnalités. Alors on va retrouver en fait dans le premier onglet de ce panneau qui s'affiche, si on veut donc le mettre en gras, si on veut le mettre plutôt justement en fin. Ensuite, si on veut le mettre en italique, souligné, barré, si on veut mettre en capital ou en minuscule, et si on veut créer un lien. Ensuite, si l'on passe dans l'autre menu, on va justement pouvoir choisir si l'on veut de le transformer en titre, H1, H2, H3, H4, ou alors en texte simple, en citation, l'emphasé, etc. Donc moi, ce que je veux, c'est un titre. Donc je vais appuyer sur Entrée, et hop, ça me met ma première ligne en titre. Alors ensuite, ce que je vous propose, c'est qu'on récupère du texte. Donc, hop, récupérer ça. On va le mettre ici. Puis comme ça, on va essayer de jouer un petit peu et voir ce qu'on peut faire. Alors, hop là. Donc ce qu'on va pouvoir faire, c'est qu'on va pouvoir sélectionner donc un groupe de mots, donc un paragraphe par exemple, et ensuite on va pouvoir refaire ce raccourci contrôle barre d'espace. Et puis on va pouvoir styliser comme ça du texte en grande quantité. Donc, on va laisser en texte normal. Si on veut changer la couleur, on peut tout simplement sélectionner une autre couleur. Et puis ensuite, on va également pouvoir faire des analyses de langue. Alors, c'est-à-dire qu'on va pouvoir en fait sélectionner pour un paragraphe en particulier la langue que nous souhaitons utiliser pour la correction orthographique. Donc on peut sélectionner le français par exemple pour ce paragraphe. Et donc à ce moment-là, si on crée des fautes dans le texte, on va pouvoir directement aller ici, cliquer sur le petit ABC qui apparaît et puis faire la correction. Alors apparemment, Home existe en français. On va également avoir aussi l'autocomplétion, c'est-à-dire que lorsque l'on va commencer à taper, quelquefois, le logiciel va nous aider et nous proposer des mots. Voilà, donc de manière générale, on va pouvoir styliser le texte très rapidement. Voilà, très rapidement, juste en quelques clics. On veut le mettre en italique, il n'y a pas de souci. Je veux juste barrière, je clique sur barrière. On voit le mot en fait qui se met comme ça en avant, comme ça on voit également quelle partie du texte on va pouvoir modifier.
Et donc si je veux le surligner, on appuie sur Underline, on appuie sur Entrée et hop, on le surligne. C'est vraiment très simple, ça nous permet comme ça voilà, d'accéder très rapidement à ces fonctionnalités et puis de styliser notre texte et d'avoir un texte qui est propre, clair. Ce qu'on peut faire, c'est également passer en plein écran. Et comme vous voyez, on a quand même une interface qui est agréable. Il n'y a vraiment rien autour qui va attirer l'œil, on va vraiment se concentrer sur le texte. Alors, ce que je n'ai pas pu vous montrer juste avant, puisque nous n'étions pas dans la version pro, c'est donc la possibilité également de changer le style général. On peut appuyer sur F8, F8 qui nous fait apparaître ce panneau sur la droite, et donc on va pouvoir sélectionner vraiment différents types de texte. Donc on est actuellement sur le mode light. On va également pouvoir passer sur un mode heavy. Donc si on passe au mode heavy, vous voyez un peu à quoi ça ressemble. C'est pas forcément très 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 agréable. Après, bon, chacun ses goûts. Et donc voilà. Et donc on va pouvoir passer sur quelque chose peut-être de plus classique, un style journal. Et comme ça, vous allez pouvoir rédiger votre texte vraiment de la manière dont vous préférez, avec vraiment la typographie que vous préférez. Voilà. Alors, donc on peut sauvegarder, on peut bien sûr revenir en arrière, il n'y a aucun problème. Ensuite, ce qu'on va pouvoir faire, c'est regarder un petit peu donc les menus. Donc, on a quelque chose de très très simple. Il faut savoir que le document est en fait enregistré dans un format propriétaire. Alors, si on clique sur Move from Cloud, donc en fait, si on ramène le fichier depuis le cloud sur l'ordinateur, on va découvrir que le fichier a une extension en WTT. Alors, c'est une extension propriétaire, mais bien sûr, on va pouvoir enregistrer ces documents tout de même sous d'autres formats. On va également pouvoir importer d'autres documents dans ce logiciel et imprimer les documents comme on pourrait le faire avec d'autres logiciels sans aucun problème. On va pouvoir donc, on a les fonctionnalités principales d'édition, on va également pouvoir donc afficher les différents panneaux d'affichage, donc comme le cloud qui est sur la gauche, ou alors à droite donc les styles. Donc vous allez retrouver, hein, si vous avez besoin des raccourcis, vous allez retrouver à chaque fois hein, dans les menus. Voilà, et puis voilà. On va également avoir des différentes fonctionnalités pour éditer le texte. On peut activer ou non donc la vérification orthographique, et puis on va également pouvoir activer ou non ce qui s'appelle le markup. Alors le markup, est-ce que je viens de l'activer? Donc ce que je vous propose, c'est d'aller voir le markdown, et c'est une manière d'éditer le texte plus rapidement. Et donc c'est une fonctionnalité qui est également présente dans ce logiciel. Alors on peut également retrouver donc tous les dictionnaires de langue, donc aucun problème pour cela. Vous allez pouvoir comme ça faire vérifier votre texte par le logiciel dans n'importe quelle langue. Si vous avez besoin des raccourcis, vous pouvez également appuyer sur F1 et F1 vous propose une interface plutôt intéressante. Vous allez pouvoir directement retrouver voilà, les raccourcis intéressants. Donc si je veux surligner, donc underline, j'ai juste tapé and et il me propose donc le contrôle V. Voilà. Donc voilà pour le logiciel, je pense qu'on a fait à peu près le tour. On y est resté pendant un petit moment déjà. On a également cette possibilité qui est assez marrante, juste en bas, donc si vous cliquez sur Article, de voir en fait à quoi correspond le texte que vous êtes en train d'écrire en fait. Donc ce qui se dit, c'est que vous avez à peu près 6, donc j'ai également 660 mots. Qui correspond plutôt à un article. Et ensuite, on a voilà, les prochaines étapes qui sont l'histoire courte, voilà, une narration ou un livre. Également avoir les emails, les réseaux sociaux et puis les tweets. Alors ce qui est plutôt sympa, c'est qu'on a comme ça des statistiques plutôt précises en fait de tout ce que l'on fait en fait. Donc on a également le nombre de mots que l'on utilise par jour, etc. Voilà. Alors, donc on retourne sur le site internet pour avoir un petit peu plus d'informations. Donc comme je vous l'ai dit, donc il y a une version également, donc je ne vous l'ai pas montré, qui est noire, suivant vos préférences. Voilà. Voilà, et comme je vous le disais précédemment, on va pouvoir donc importer et exporter les documents sous différents formats.
Donc on va pouvoir les importer sous des formats texte plutôt standard ou texte enrichi. Et puis également donc le format Markdown. On va ensuite pouvoir les exporter sous un format PDF ou ODT. Donc ODT qui va pouvoir être lu par Microsoft Word ou LibreOffice et qui va garder en fait toute la stylistique que vous avez appliquée sur votre texte. Ce qu'un format texte ne fera pas par exemple. Et vous avez également donc le format Markdown qui lui va également garder cette stylistique. Et bien voilà, bah écoutez, ce que je vous invite maintenant, c'est à vous rendre sur le site et puis vous faire votre propre avis sur le logiciel. Pour ma part, j'ai trouvé que c'était vraiment un logiciel très épuré, très sympa, très centré sur le texte, qui vraiment vous évite de vous éparpiller sur ce que vous pouvez avoir autour et vraiment vous concentrer sur ce que vous faites. Je vous invite aussi, encore une fois, hein, à directement vous inscrire sur la version Pro, puisqu'elle est gratuite jusqu'au 5 novembre. Donc voilà, et donc après ça passera à 5 $ par mois, puisque c'est un abonnement en fait, comme vous avez une option de cloud, d'enregistrement cloud. Et bien voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, j'ai pris plaisir à la préparer et à la présenter. Voilà, bah écoutez, ce que je vous propose, c'est tout simplement de me rejoindre sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Twitter, et puis de me poser vos questions, de me dire ce que vous en avez pensé. Et n'hésitez pas à me proposer aussi d'autres logiciels, parce que je suis très curieux de voir ce qui peut se faire de mieux. Et peut-être que je ferai une prochaine vidéo sur un concurrent. En attendant, j'ai déjà pas mal d'idées. J'ai dans mes réserves des idées un petit peu différentes également, notamment pour la musique. Donc pourquoi pas jouer en direct en live avec d'autres musiciens à travers Internet. Ou également d'autres choses telles que comment savoir à quel moment le soleil va se trouver à cet endroit précis pour pouvoir prendre vos photos et avoir de belles lumières. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à très très bientôt. Salut tout le monde!